Mardi prochain, cet astéroïde frôlera la Terre en passant plus près que la Lune, donnant ainsi aux scientifiques une rare occasion d'étudier ce type d'astre. De grande taille, 400 mètres de diamètre, il est d'un noir profond et composé de carbone. Visible depuis l'hémisphère nord, il ne sera pas observable à l'œil nu.